Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de direct. C'était très important pour moi de vous faire un direct aujourd'hui. Parce que je ne sais pas si vous avez écouté le dernier single qui est sorti de l'artiste You, qui est sur la compile que je viens de signer chez Sony Music, qui s'appelle Bendo. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà. Il y aura du beau monde sur cette compile. Voilà. Je viens de voir qu'il y a même justement l'artiste Oli Kid qui vient de rejoindre ce direct. Grosse force à lui. Oli Kid. Que je vous annonce déjà en exclusivité. Qui figurera déjà sur la compile Rookie. Qui sortira chez Sony Music. Déjà, vous venez de connaître le deuxième artiste en exclusivité. Voilà. Le reste, ça sera de la surprise au fur et à mesure que les choses vont avancer. Eh ben, le reste se fera. Grosse force à Lord Navy. J'espère que tu vas bien, mon frérot. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois dans ce direct. Grosse force. Voilà. J'ai beaucoup sillonné ces derniers temps la France. Avec mon producteur Kinda Privati, on s'est beaucoup beaucoup baladé ces derniers temps en faisant la vie de la signature. On s'est retrouvé à Cannes, au Festival de Cannes. Grosse force à Dinor, à Michou, Inoxtase, comme dirait mon fils, justement, et tout ce staff. Et grosse force à Babacam aussi. Et tous ceux que j'ai pu rencontrer aussi pendant tout ce festival de Cannes que je me suis posé pendant 5 jours là-bas. Grosse force à vous, je vous embrasse du fond du cœur. J'étais aussi à Toulon. Voilà, Toulon. J'étais aussi à Fréjus, Saint-Raphaël. J'étais à Le Luc. J'étais à Lyon. Voilà, j'étais à Lyon. J'étais à Nîmes. J'étais à Nîmes, j'ai fait une tournée comme pas possible. Ah oui, j'ai franchement cette vie de signature là, et je peux vous dire que même je suis rentré quasiment que avant-hier soir. Voilà, je suis encore chaos technique. Voilà, et je tiens à vous annoncer aussi que le clip Bendo de l'artiste You a été tourné aussi et que les images arrivent très prochainement, que le clip va bientôt sortir. Et que le clip, il est magnifique. Les LSP, l'artiste, le You a fait du bon boulot dans ce clip. Et franchement, je tiens à vous remercier pour toute cette force que vous me donnez depuis pas mal d'années, depuis toutes ces années. J'ai jamais lâché l'affaire. Je me suis toujours battu, malgré les critiques, malgré les manques de respect que j'ai pu subir. Mais j'ai tenu bon pendant toutes ces années. Et au final, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Voilà, c'est pour vous dire que je ne veux pas lâcher l'affaire. Des gros sons vont sortir de cette compile. Des gros artistes inconnus au bataillon vont sortir de cette compile. Vous connaissez votre gars, Tonton Marcel. Vous savez que j'ai l'oreille. Vous connaissez en tant que dénicheur de talent que je suis. Vous savez très bien que je suis un gros dénicheur de talent. Personne ne peut démentir, personne ne peut négliger ma connaissance d'oreille. Grosse force aussi à, voilà, Roy Block aussi, qui est là aussi. Je tiens à vous annoncer aussi qu'il m'a fait un gros son aussi pour cette compile. Il m'a fait un gros son. Déjà, je vous annonce encore une troisième personne qui va figurer aussi sur cette compile, qui vient de se connecter directement dans ce direct. Donc, vous connaissez déjà le You, Oli Kid, Roy Black, et Roy Black qui m'a fait un gros featuring en plus. Oh là là, le son, il est LSP lourd, sale propre. Franchement, quand je vous en parle, j'en ai les frissons. Voilà, et la famille, que des bonnes choses qui s'annoncent pour moi en 2022. Que des bonnes choses. Ah oui, signé 3 compilations, la famille, et je pense que vous n'êtes pas prêts. Ça va mettre des gifles à certains artistes. Ça va mettre des épinards, du beurre dans mon assiette et dans les assiettes de mes enfants en même temps aussi, hein. C'est le but aussi, hein, je pense, hein, non? C'est le but. Donc, si vous avez des questions,
à me poser, n'hésitez pas, je suis là pour ça. J'ai fait ce direct pour échanger un peu avec vous, avec toutes les personnes qui me suivent depuis pas mal d'années et qui attendaient justement quelque chose de concret de la part de Tonton Marcel. Eh bien, ce jour-là est arrivé et je tiens aussi à vous dire que des belles surprises la famille. Je vous jure, des belles surprises. Franchement, je suis très très fier de moi. Et retrouvez-moi très bientôt en Côte d'Ivoire, justement, avec mon producteur Kinder Privati, parce qu'on va, on va faire du sale, on va faire du lourd, sale, propre, comme ma marque de vêtements LSP. Je suis très, très fier de moi. Et donc, voilà, si, je sais pas, je reçois ça, mon frérot Chabodo, je vois qu'il y a Chabodo qui est aussi, qui vient de se connecter, donc il y en a qui aimeraient bien. Je tiens à dire que je ne peux pas aussi faire participer tout le monde dans cette compilation, voilà, parce que cette compilation, j'ai décidé de mettre des rookies, et on sait très bien que l'un des plus grands découvreurs de talent dans ce rap français, dans ces 10 dernières années, tout le monde sait très bien, c'est Tonton Marcel. Donc j'ai décidé de ramener dans les prochaines 10 années les nouveaux talents du rap français qui vont appartenir à Tonton Marcel, voilà. J'ai donné trop de force à beaucoup d'artistes qui ont émergé et qui avaient du talent surtout, qui avaient du talent. Mais là, cette fois-ci, je vais ramener des artistes qui ont du talent et qui m'appartiennent et qui vont exploser ce rap game. C'est ça l'objectif, voilà. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que je suis allé chez Sony. C'est pour ça que Sony m'a fait confiance. C'est pour ça que Sony va continuer à me faire confiance parce qu'on va aller dans ce sens-là. Et on tient à remercier Kinder Privati, la maison de disques, le label Privati, et la maison du disque, le label tout simplement Sony Music. Voilà, on est ensemble la famille, on est ensemble. Et je tiens aussi à vous dire un truc assez important qui m'a beaucoup frappé. Et j'ai remarqué que ces derniers temps, beaucoup de gens qui avaient arrêté de me suivre, beaucoup de personnes qui... Merci, grosse force maintenant, grosse force mon frère Rochabodo, merci. J'ai remarqué que ces derniers temps, il y avait beaucoup de monde qui avait arrêté de me suivre. Et je ne comprends pas. Et je les revois me re-suivre à nouveau. Et je leur pose la question, mais oh, t'as arrêté de me suivre parce que moi, je n'ai pas arrêté de les suivre. Donc, quand une personne arrête de vous suivre et elle vous reçoit à nouveau, c'est marqué en dessous, cette personne vous suit à nouveau, tu vois. Et moi, quand j'ai jamais réussi, j'ai jamais arrêté de suivre les gens. Donc, quand ces gens vous suivent à nouveau, vous voyez qu'ils vous suivent à nouveau. Je leur dis, oh, mais t'as arrêté de me suivre. Il me dit, non, mais je savais pas que je te suivais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je tiens à vous dire que le train se prend quand il est à l'arrêt. Le train ne se prend pas quand il est en marche. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis dans ma story, une phrase comme ça. Le train se prend à l'arrêt. Le train ne se prend pas en marche. Parce que si tu essaies de prendre un train en marche, soit tu peux tomber, soit tu peux te casser la gueule, soit tu peux finir par te faire écraser par ce train-là. Moi, quand je suis une personne, je la suis jusqu'au bout. Voilà, je ne me désabonne pas. Je la suis parce que je lui donne le respect. Mais si toi, tu te désabonnes, si tu te désabonnes, c'est parce que tu estimes que je ne mérite pas d'être dans ton cercle d'amis. Oui ou non? C'est la raison. Mais alors maintenant que la lumière commence à me sourire, pourquoi tu reviens à nouveau, mon ami? J'ai pas besoin de toi. Si tu es parti une fois, ne reviens pas. Tu vois? Ne reviens pas. Comme ça, toi et moi, c'est fini. Mais tu reviens à nouveau et tu fais croire et tu me dis, ouais, mais je savais pas que je te suivais. Oui, mais c'est désabonné tout seul. Eh, mon poteau, moi, quand je me désabonne d'une personne, c'est parce que c'est moi qui me suis désabonné. J'ai pas appuyé sans faire exprès sur un bouton. J'ai appuyé parce que je veux plus te suivre. C'est tout. Voilà. Donc, voilà. Grosse force aux grands recruteurs de football,
au grand footballeur, l'homme qu'on appelle Franck Domoro. J'espère que tu vas bien, mon frère. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois aussi dans ce direct. Grosse force à mon frère. Luchalo, comment vas-tu? Ça fait vraiment plaisir. Fanny, j'espère que tu vas bien. Voilà. Voilà, on est là, on est là, on est là, on est là. Un gros respect, un gros bisou à tous les gens qui viennent me donner de la force. De toute façon, je sais que pendant toutes ces années, vous n'avez pas cessé de me donner de la force. Vous avez toujours cru en moi, vous m'avez toujours donné de la force. Et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça que cette compilation-là, elle va faire très très mal. Vous savez, j'étais en pour parler de mon contrat avec Sony Music. Et je savais que j'allais signer plusieurs compilations chez Sony Music parce que mon frérot Kinda Privati m'a fait confiance, il connaît ma force de frappe. Et en plus, il sait, il y a le You qui vient de rejoindre ce direct-là, grosse force à le You. Donc, le son Bendo est toujours en téléchargement sur toutes les plateformes de téléchargement. Et je tiens à vous annoncer, aujourd'hui, en exclusivité, nous avons dépassé les barres, je pense, de 200 000 streamings de ce son-là. Vous vous rendez compte? Un mec inconnu au bataillon qu'on appelle le You fait plus de 180 000 téléchargements sur les plateformes de téléchargement. C'est pas magnifique ça, si on peut pas applaudir franchement. Franchement, c'est ce qui prouve vraiment que Tonton Marcel, c'est un vrai dénicheur de talent. Et lui aussi, en même temps, en parallèle, c'est un grand artiste. Donc les gens ont apprécié le son, les gens ont aimé le son. Les gens se sont battus pour le son. Et ce son-là, je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce son-là. Juste attendez encore quelques jours avant la sortie de ce clip-là. Parce que vous allez voir le clip. Le clip, c'est un chef-d'œuvre. Le You a maîtrisé le clip. Le You s'est bien battu dans le clip. Le You s'est bien développé dans ce clip-là. Je pense que la famille, on n'a pas fini. Donc, je tiens à vous dire que. Je reviens un peu en arrière parce que c'est très important pour moi de raconter un peu l'histoire justement de cette compile. Parce que cette compile, elle s'appelle Rookie. Rookie, comme on sait que c'est des jeunes qui sont draftés dans le basketball américain. Donc, je sais que pourquoi je me suis permis d'appeler cette compilation les Rookies, tout simplement parce que tout ce que je vais amener, moi, pour moi, dans ce rap, je pense que ça sera les nouveaux, ça sera les Rookies, ce sont ceux qui vont apporter la nouveauté. Et le changement, tout simplement, dans ce rap français de demain. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé, avec Sony Music, avec Kinda Privati, avec mon label Privati, et mon manager et mon producteur Kinda, on a décidé d'appeler ces compilations Rookie. Et je pense que vous aussi, vous serez content de voir cette compilation arriver dans très peu de temps. Et dans très peu de temps, vous allez voir, je vais commencer à vous balancer petit à petit les tracklistings, qui sera dedans, qui sera pas dedans. Et au fur et à mesure, je vais faire des heureux comme je vais faire des tristes. Je vais vous expliquer. Je reviens un peu en arrière. C'est-à-dire que j'étais en négociation avec mon label, mon manager, mon producteur avec Sony Music de mon contrat, effectivement. Donc, avant de signer justement ce contrat-là, j'avais sollicité énormément justement d'artistes en leur disant, oui, j'aimerais que tu m'envoies un son pour que tu puisses figurer dans ma compilation que je vais signer chez Sony Music. Et effectivement, il y en a beaucoup qui ne me croyaient pas. Donc, je leur ai dit, envoyez-moi un son. Personne voulait envoyer un son. Personne voulait envoyer un son parce que personne ne me croyait. À ce moment-là, personne ne croyait, pensait que j'allais peut-être signer ce Sony Music. Donc, je reviens encore. Les gens négligeaient à ce moment-là Tonton Marcel. Voilà. Les gens négligeaient Tonton Marcel. Personne ne voulait envoyer de son. C'est même là, quand ils ont vu la signature, ils m'ont renvoyé des sons. Eh bien, je tiens à vous dire que tous ceux qui m'ont envoyé un son avant que j'annonce ma signature officielle. Vous m'avez négligé, vous ne figurez pas sur ma compilation. Je tiens à le dire tout de suite. Voilà. Parce que je l'ai toujours dit, c'est quand le train il est à l'arrêt qu'on le prend, c'est pas quand il est en marche qu'il faut le prendre. Parce que quand il est en marche, c'est déjà trop tard, il a déjà démarré.
Donc, par contre, j'ai reçu énormément de mails. J'ai reçu énormément de mails. Même moi-même, je suis étonné du mail, des mails et des sons que j'ai reçus. Et je peux vous jurer, il y a des sons dedans, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons. À mon avis, je vais repartir chez Sony Music et je vais renégocier à nouveau mon contrat pour faire au moins 5 compilations. Parce que tous les mails que j'ai reçus ne peuvent pas figurer dans 3 compilations. C'est pas possible. C'est pas possible parce que tous les jours, mes oreilles saignent. Tous les jours, mes oreilles saignent. Tous les jours, quand j'écoute, quand j'ouvre mon mail et j'écoute un nouveau son, je tombe des nues, j'arrive pas à y croire qu'en France, j'arrive pas à y croire en France que nous avons des artistes. J'arrive pas à y croire qu'en France nous avons des artistes. Je suis, et je vais couper le direct parce que j'ai la mère de mes deux enfants qui m'appelle parce que c'est, voilà, je dois prendre mes enfants en vacances, je vais aller chercher Kiki et Kai Kai. Donc là, mon téléphone n'arrête pas de sonner, il faut que je rappelle. Donc, attendez, j'ai fini le direct et après je vais les rappeler. Voilà, comme ça je vais prendre la route et je vais aller chercher mes deux enfants parce que papa était. Voilà. Ah, Lucio, je sais que t'es un rookie, mon frérot. Je sais que t'es un rookie, t'es un rookie, je sais, je sais. Donc, je revenais vite fait parce que je vais aller chercher mes enfants. Voilà, je vais prendre la route pour aller les chercher. C'est les vacances, hein, vous savez. Donc, ils vont passer un peu de temps avec leur papa. Voilà. Donc, je tenais à dire que je suis étonné. Tous les jours, vous savez, tous les jours, des gens m'envoient des messages sur WhatsApp. Tonton Marcel, est-ce que tu as écouté mon son? Tonton Marcel, est-ce que tu as écouté mon son? Je tiens à vous présenter mes excuses que j'ai pas pu écouter vos sons parce que j'ai déjà pas pu écouter les premiers qui me les envoyaient déjà. Donc, laissez-moi le temps d'écouter ceux qui sont déjà tout en bas avant d'écouter de ceux qui sont déjà tout en haut, parce que sinon, ceux qui sont tout en haut, si je les écoute, je vais oublier tous les sons qui sont déjà en bas. Vous savez, j'ai. Non, la France est remplie d'artistes. Vous savez, comme je vous ai dit, justement, pendant une semaine entière avec mon producteur Kinder, justement, et Sony Music nous a permis de voyager un peu dans toute la France. On a fait plusieurs villes dans le sud de la France. J'ai eu un accueil de. C'est-à-dire que même moi, j'étais étonné et surpris de ma cote de popularité. Je ne me rendais pas compte qu'on pouvait me reconnaître dans tous les coins de la France. Je suis parti dans des villes, dans les fins fonds dans des campagnes. Des gens me reconnaissaient et j'étais surpris, j'étais étonné. Je me disais, mais un jour, j'ai un artiste qui s'appelle Majesté qui m'a dit cette phrase-là. Et moi-même, parfois, je n'arrivais pas à y croire. Il me disait, Marcel, tu as plus de buzz que certains rappeurs connus. Je lui ai dit, mais non, tu mens. Effectivement, il y a plein de rappeurs que je connais, très connus. On a fait un test, plusieurs tests. On s'est mis côte à côte. Et effectivement, c'est vrai que c'est avec moi que les gens venaient discuter. Donc, et je me néglige un peu parce que j'avais perdu tout espoir. Grosse force à mon frérot Biggie Stone, SLV, seule la victoire compte. J'avais perdu tout espoir, je me disais. Mais, vous savez, quand un producteur qui croit en vous, qu'on appelle Kinda Privati, vient, discute avec vous, vous remonte le moral et dit, Tonton Marcel, t'es l'un des plus grands découvreurs de talent de ce rap français. Et on t'a pas mis à la hauteur que tu dois être. Moi, je vais te mettre à la hauteur dans laquelle tu dois être. Je connais tout le monde dans les maisons de disques et je vais te faire signer aux maisons de disques. Il n'a pas parlé chinois et aussitôt, on a signé en maison de disques et aujourd'hui, le projet va voir le jour. Et le projet va s'appeler Rookie. Volume 1. Parce qu'il y aura plusieurs volumes. Donc, les gars, vous avez des amis rappeurs. Vous avez des petites sœurs rappeuses. Vous avez des petits frères artistes. Des petits frères à qui
qui sont très forts, mais que aucune grosse tête veut donner de la force. Envoyez-les sur ma boîte mail qui est tontonmarcel91@gmail.com. S'ils ne figurent pas sur le premier volume qui va sortir, ne vous inquiétez pas. J'ai plusieurs volumes qui arrivent. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas figurer sur le premier que cela veut dire que vous n'allez pas figurer sur le deuxième, et sur le troisième, sur le quatrième. N'hésitez pas. Ne comptez pas sur les grosses têtes pour réussir dans ce rap français. Comptez sur vous-même, votre niaque, votre volonté. Moi, si j'attendais après les grosses têtes du rap français que je donnais de la force pour réussir dans ce rap game, ben, je serais encore. C'est ma niaque, ma motivation, ma persévérance qui a fait qu'aujourd'hui, je vois le bout du tunnel. Donc, ne comptez pas, n'attendez pas que certains rappeurs vous partagent. Comptez sur vous-même et vos amis. Et votre travail finit. Et même si on vous dit que vous ne savez pas rapper, ne l'exécutez pas. Continuez à persévérer. C'est la persévérance qui fait en sorte qu'on réussit tôt ou tard. Vous savez, la vie, parfois, on ne sait pas de quoi elle est faite. Parfois, vous pouvez rencontrer une jeune fille qui chante avec vous. Parfois, vous pouvez rencontrer une jeune fille qui est adorable avec vous. Parfois, vous pouvez rencontrer des gens qui sont adorables avec vous. Parfois, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont très chantes avec vous. Mais, il faut toujours accepter toutes ces personnes-là dans leur diversité. Pourquoi? Parce qu'une personne qui chante avec vous, c'est parce qu'elle cherche du bonheur de vous. Elle cherche la motivation de vous. Elle a envie de vous élever. Une personne qui est gentille avec vous, elle a aussi envie de vous élever. Mais sauf que c'est deux motivations différentes. Eh bien moi, ces deux motivations-là, je les prends en énergie positive. Je ne néglige personne. J'aime tout le monde, j'adore tout le monde, sauf qu'il ne faut pas me chercher. Je respecte tout le monde. La preuve, quand j'avais l'un des plus gros sites du rap français, je donnais la parole à tout le monde sans racisme. C'est-à-dire que, voilà, je ne me disais pas que cet artiste, il est nul ou il n'est pas nul, il est fort, il n'est pas fort. Quand je prenais cette caméra et j'allais voir Niska, c'est parce que j'estimais que Niska, elle était fort. Quand je prenais cette caméra où j'allais voir Maître Gims, c'est parce que j'estimais que Maître Gims était fort, que Black M était fort, que la section d'assaut était fort, que Caris était fort, que l'artiste était fort, que la fouine, il était fort. Quand je prenais cette caméra et que tous ces artistes étaient encore inconnus au bataillon et j'allais les voir et que à cette époque, la star, quand ils me voyaient avec leurs yeux qui brillaient comme l'homme qui pouvait les permettre d'arriver au devant de la scène. C'est parce que c'était l'amour de la musique qui me poussait à aller les voir. L'amour de ce hip-hop, l'amour de ce partage, l'amour, la volonté de permettre à cette musique-là qui me portait. Donc j'aimais justement aller avec cette caméra, avec ce slogan qui a bouleversé le rap français. Si tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, on exclut pour la caméra endaout.com. Même cet amour-là, je l'ai même transmis à l'un des plus grands boxeurs de France qu'on appelle la team Guelmi. Guelmi, c'était qui était aussi un très grand rappeur ici en France et aujourd'hui qui a décidé de se mettre de côté et de qui est aussi un grand boxeur et de boxer justement et d'entraîner, de devenir un coach sportif aujourd'hui. Grosse force à lui maintenant. Grosse force à lui. Quand je prenais cette caméra et j'étais en transe devant et je posais les questions. C'était magnifique, c'était beau, c'était rarissime. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça, c'est perdu aujourd'hui. Quand t'as pas de buzz,
et que ton média ne fait pas de vues, tous ces artistes qu'on a propulsés, ils ne veulent plus venir. Alors que nous, quand ils n'avaient pas de vues, et nous, on avait du buzz, on leur donnait la visibilité. Vous vous rendez compte comment le monde, il a changé? Aujourd'hui, ce n'est plus le média qui est devenu important. Aujourd'hui, c'est l'artiste qui est devenu important. Alors qu'avant, c'était le média qui est devenu important. Vous vous rendez compte? Les choses changent, hein, parfois, ça arrive, hein, ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Donc, non, c'est vrai que j'ai participé à la bonne, à la bonne époque, mais la bonne époque, elle n'est pas finie, hein. Elle n'est pas finie, la bonne époque. Ah, Mercy World, grosse force à Mercy World, vous voyez. Mercy World, c'est un grand beatmaker américain qui habite justement, hein, aux États-Unis. Et c'est ce monsieur, ce grand monsieur, vous savez, mes affiches Rap & Co. Rap & Co, justement, c'est lui qui fait mes affiches Rap & Co. Je vais vous dire un truc important, c'est vrai que vous ne me voyez plus actuellement faire mon émission Rap & Co. Tout simplement parce que c'est la période estivale, c'est fermé. C'est pour ça le studio est fermé, tout ça. Mais je tiens à vous dire aussi un truc important. Je vais poser une question à mon producteur si je peux annoncer quelque chose en exclusivité. Je reviens. S'il me dit oui, je peux annoncer le truc en exclusivité, je vous annonce ça en exclusivité. Producteur, est-ce qu'on peut annoncer qu'il y a un live rookie qui arrive bientôt? Bah oui, ok. Bon, parfait. Bon, me revoilà à nouveau. Je vais me dépêcher parce que sinon je sens que la mère de mes deux garçons va me mettre un blâme là parce que je dois me dépêcher d'aller chercher mes garçons. Bon, je vous annonce effectivement mon producteur qui est pas très loin vient de m'annoncer qu'on peut annoncer quelque chose en exclusivité, que bientôt j'ai une nouvelle émission qui arrive et qui va s'appeler Live Rookie. C'est quoi Live Rookie? Ça veut dire que tous les artistes qui auront participé à cette compilation vont venir faire tous des freestyles, mais classiques d'anthologie, dans un studio monumental en face du palais présidentiel. Et ça, je ne parle pas dans le vent. Le tonton ne parle jamais dans le vent. Ah oui, mais bien sûr qu'elle va me mettre dans un coin, parce qu'en plus, ah oui, donc il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche pour aller chercher mes deux garçons en plus. Ah, vous savez, votre tonton Marcel est papa de trois enfants. Hein. J'ai une belle fille, j'ai deux beaux garçons. Et franchement, je pense que je devrais m'arrêter là. Ouais. Parce que trois. Ouais, ça a coupé là parce que j'ai l'un des plus grands DJ d'Italie qui vient de m'appeler sur WhatsApp. L'un des plus grands DJ d'Italie qui vient de m'appeler sur WhatsApp. Donc, je suis dans l'obligation de raccrocher. Je vais finir avec lui et directement, je vais chercher mes enfants. Donc, je vous demande pardon. Ce soir, je referai un direct si mon producteur manager me le permet parce que j'ai décidé de ne plus trop me faire voir. Voilà. Vous pourrez le remarquer que même sur ma chaîne YouTube, je ne fais plus trop de vidéos parce que les choses ont changé pour moi aujourd'hui. Donc, je ne peux plus trop me permettre de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je tiens à m'excuser si ce soir, mon manager producteur me donne l'autorisation que je peux faire un live. Avec plaisir, je vais faire un live. Mais sinon, là, je dois appeler le DJ, l'un des plus grands DJ d'Italie qui vient de m'appeler tout de suite parce que je suis actuellement en business avec lui. Je vous remercie, je vous embrasse du fond du cœur. Ciao.